Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, merci. Boussa et Bélé connectés sur notre chaîne de télévision CFTV 1 Congo France. Dans cette émission Actualité à la une, Tokosolo la réalité, Makambo et Bélé, Oyo et Sako, Salimanakati, Yamboka Nabiso Congo. Kabundu Alessa, les pasteurs, Kabundu Alessa, Alobi, Dieu m'a dit, Nzamba Lobelinga. Alobi, Nzamba Lobelie, que c'est le président Félix Tshisekedi qui a délivré la RDC. Mesdames et messieurs, Torosolo Léango, au cours de cette émission Actualité à la Une, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le vrai Dieu? Ndé alobeli pasteur Kabundu Alessa ou pas? Bosona na biso de partout. À la fin, avant la fin de cette émission, là que préférer bandeko beau réagir. Na lobi bien avant la fin de cette émission. Deuxième sujet ça. Jean-Pierre Bemba n'a pas postulé à la députation. Jean-Pierre Bemba, selon Batoune Balobi, il va postuler à la présidentielle ou aux élections sénatoriales. Donc, analyser au cours de cette émission Actualité à la Une. Lelo Awa, Tosako Lobalakati, Yambora Nabiso Congo. Est-ce qu'on peut dire que Jean-Pierre Bemba n'a qu'un ministère naïe, il y a défense nationale, est-ce que Azako sert en gros bien? À part Nini Oyo Jean-Pierre Bemba, Ayen Ayango, n'a poste naïe, il y a défense, il y a Mboka Congo. Mesdames et messieurs, nous analysons au cours de cette émission Actualité à la Une. Seni Yamboka Nabiso Congo est confirmé que Bruno Tshibala, Oyo, a postulé Batounaye. Tshibala menace de traduire en justice Denis Kadima et toute l'équipe de la CENI pour avoir affirmé que son parti, UDPS Tshibala, n'a pas été le seuil de recevabilité car n'ayant pas déposé que, 59 dossiers de candidature. Tshibala Balalobi. Yepo Naye a déposé et le côté. Mesdames et messieurs, nous analysons au cours de cette émission Actualité à la Une. Martin Fayulu m'a dit, très très en colère, qu'est-ce qui se passe? Makamboza et Bélé, avant tout dans l'émission Oyo, je vous propose quelques annonces après tout zonga pour nous analyser sur le sujet Oyo Toché en place pour nous suivre. Haza minerte, haza mukolo, domoliango familial, botondi, mbisi basangisa na crevette, kaka ya mbisi, basangisa na makemba, basangisa na poivron, basangisa na celery, basangisa na pomme de terre, basangisa na munganza, mbisi, azwi vitamine, basali susu, na ngulu,
Bazali sous Makayab Brochette Otobini Kamundeli Mayebo Nobilo Kounoso Moka Pas Galaxie Mambo Tozolia C'est Mambo Galaxie Azo Sala Panabana Moka Yangwana Congolais Pona et Siko Yogolela Or que Ba Congolais de Yébani Osali 6 mois Au Kouni la propriété Tiens Moussabinalis Mais Galaxie Mambo 8 ans. Quel restaurant? Et ça m'a cicaté. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxie Mambo, c'est du waouh. C'est les soldes d'été chez Mima Mode. Le spécialiste de la chaussure italienne de luxe et de costumes haute couture vous fait bénéficier d'une remise de moins 20% sur l'ensemble de sa gamme de produits. Profitez-en du 28 juin au 25 juillet 2023. Mima Mode, notre boutique se situe au 12 rue Parisis à Dreux. Venez découvrir notre nouvelle collection de chaussures de luxe faites par des artisans italiens, tels que nos Richelieu, en cuir pleine fleur, ou nos mocassins tricolores, ainsi que nos nouveaux costumes de cérémonie haute couture. La qualité et la diversité de ces collections vous donneront l'embarras du choix, et vous bénéficierez de nos conseils avisés grâce à notre expertise de plus de 15 ans. Rendez-vous également sur notre site internet www.mimamode.com. Avec Mima Mode, l'élégance au masculin, c'est pour vous. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur notre plateau de Congo France Télévision. Kabundu Walesa confirme que c'est le président Félix Tshisekedi qui a délivré la RDC. Mesdames et messieurs, cette confirmation de pasteur Kabundu Walesa crée la polémique. Bamsusu balobi te pasteur a kosi. Bamsusu balobi te Félix Tshisekedi n'a pas délivré ce pays. Bamsusu balobi te Félix Tshisekedi a koti si Congo na poto poto. Qui dit vrai et qui dit faux? Mesdames et messieurs, sujet otoko analysé ango mingi mingi avant la fin y a émission parce que il y aura un numéro de téléphone qui sera affiché oko permettre bino bande ko congolais au besoin de la biso de partout. Na kati ya RDC précisément na kati ya Kinshasa capitale
Tomekako analyser ensemble Nabino. Est-ce que c'est que le pasteur Kabunduwale Salobi, que le président Félix Tshisekedi a délivré ces pays, est-ce qu'il a raison? Donc, quand on a un sujet, Missus. La CENI vient de réaffirmer que ma parti politique et sali seuil et kogisi seuil nango baza affiché na kati ya liste ya batu oyo ba député oyo bako sala ba propagande na bango député nationaux bien sûr. Mais il y a un problème qui se passe, il y a un problème oyo et bandi ko se passé na kati ya ba parti politique, notamment parti ya Tshibala. Vous vous souvenez encore, monsieur Tshibala, Nzenze Oyo Azalaki, ex premier ministre ya Mboka Congo. Monsieur Tshibala a dit non. Il n'a pas déposé la liste de ses membres de son parti politique. Alors, ce que la CENI a dit, ce que la CENI a réaffirmé, c'est une fausse information. Tshibala menace de traduire en justice Denis Kadima et toute l'équipe de la CENI pour avoir affirmé que son parti, UDPS Tshibala, n'a pas été le seuil de recevabilité. Tshibala Lobby a sa kokende ko porter plainte contre la CENI, contre Denis Kadima et contre toute son équipe. Mesdames et messieurs, ça continue à part Tshibala Nzenze, Oyazaki ex premier ministre à Mboka na biso Congo. Il y a aussi Martin Fayulu Madidi. Martin Fayulu Madidi a ses périté. Il est à l'obinine. Lamuka Fayulu réaffirme avoir listé des candidats prêts, mais attend l'annonce de l'audit indépendant de la CENI par la CENCO et les CC pour les déposer. Le monsieur m'a dit du Martel opposant à l'objet au clair. À l'objet, il y a une liste à Batounaé. Mais il y a qu'on déposait jusqu'à ce que bako audité fichier électoral ya CENI. Mais mesdames et messieurs, un membre de la CENI na kombo ya Didi. Alobi boy. Alobi ke il n'est pas là pour propager des choses, pour propager des informations au ya CENI. Mais à moni ba candidat il y a SID, il y a parti politique, il y a Martin Fayulu, bango pe ba déposa ki ba candidature na bango. Mais en même temps, le monsieur m'a dit Martin à l'obligé, il a encore la liste, il ne peut pas aller déposer jusqu'à ce que le fichier sera audité par la CENCO. Mesdames et messieurs, la fois passée, c'est comme si il y a des poids, des mesures. C'est comme si ma politicien basa ko sakana na peuple congolais, basa ko désorienter population. À part wana, mesdames et messieurs, le FCC à Joseph Kabila, ex-président ya mboka oyo Congo a dirigé pendant 18 ans. Je crois que nous avons eu, nous, les Didi Lipumba Boué, nous avons vu ba élection oyo leka ki na 2005-2006. Ba élection moko, batu bakufa oyo, écoutez ni ça qui Jean-Pierre Bemba na Kabila. J'ai la chance, mesdames et messieurs, de voir les élections de 2011. Comment est-ce que papa Étienne Tshisekedi a l'élaki? Alors il y a eu ba élection. Et en 2018, moi-même, Didi Lipumba, je n'ai pas participé à ba élection oyo à 2018. Oye le kaki,
Mais mesdames et messieurs, j'étais là en train de vous chercher et rechercher des informations pour vous. Tout le monde a qui n'engezaki et se déroule à qui. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des revendications. Mais aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi doit faire la différence entre ceux-là qui ont organisé les élections de 2006, 2011 et 2018. Il faut faire la différence. Il faut tout le monde que réellement, c'est maintenant l'enfant de l'opposant Tshisekedi qui organise une élection. Il faut faire une élection tout d'abord apaisée. Le président Félix Tshisekedi doit organiser les élections apaisées, les élections transparentes et les élections sans tricherie. C'est ça, mesdames et messieurs. Mais déjà, Makambu, il y a une élection où il est commis déjà qu'on crée l'attention. Avant même, finalité, tout ce moment-là, déjà, quand il y a Fayoulou, quand il y a Tshibala, quand il y a FCC et quand il y a d'autres partis, bah, ça déjà sous tension. Bah, M. Soubalingi va traduire. Denis Kadima va traduire. Dans la justice, mesdames et messieurs, finalement, incompréhension et Zamakasi. C'est comme si tension moko et Zakolouke créamé dans l'élection. C'est comme si. Mesdames et messieurs, on dirait tension que ce lika est créé naba royo, il y a ba faisabilité, il y a makambu ou il y a ba élection. Information na sa na yango et sa boy, mesdames et messieurs. On dirait dialogue moko et sa ko se préparé. C'est comme si il y a un dialogue. Oyo et sa ko se préparé. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Selon l'information, tout ça n'est pas. Tout ça, on a conditionnel. Balobi, il paraîtrait que le président Félix Tshisekedi avait envoyé Vital Kamerhe pour na akeneko koutana na batwa FCC. Batangi komo Janine Mabunda, batangi komo na batwa FCC, oyo pour na koluka, ou soit qu'on soit la dialogue. Ou soit qu'on soit dans la dernière moussou pour une élection et s'organiser dans Kimia. C'est ça, mesdames et messieurs. Waneza conditionnel. Mais il y a aussi des songs. Oyo, tout ça, koyoka par-ci, par-là. Comme quoi, opposition. Il y a Martin Fayoulou m'a dit, et ça, comme ça, là, tout, mesdames et messieurs. Pour na koluka le dialogue. Pour na koluka ma part. Pour la coluca, on ne peut pas avoir moins éteint, on ne peut pas avoir moins portion et pouvoir. Gâteau va partager gâteau et pouvoir. En fait, si vous me comprenez très bien, mesdames et messieurs, c'est comme si l'élection est consacrée en 2023. Nabaneli, c'est comme si je n'affirme rien. Je réaffirme rien, mesdames et messieurs, mais je dis c'est comme si dans ma tractation aux actes au il y a ma politicien Oyo. C'est comme si, mesdames et messieurs, on dirait élection aux actes au risque et ça les malades en 2023. Mais attention, c'est le président Félix Tshisekedi qui est un joker. C'est le président Félix Tshisekedi qui dirige aujourd'hui. C'est lui qui a les derniers mots. Il y a Koloba, si il y aura pas, s'il y aura élection ou pas. Martin Fayoulou m'a dit, alobi, asako luka, asako senga, aseke le fichier électoral, et ça là, botana yango bien, et ça là, audité, la Mouka Fayoulou réaffirme avoir ses listes de candidats prêtes, mais attend l'annonce de l'audit. Indépendant de la CENI par la CENCO, Boyoka, par la CENCO et par les CC. Mesdames et messieurs, soyons honnêtes et soyons sérieux. Est-ce que la CENCO a le pouvoir d'auditer le fichier électoral? Non. Au moins que je me trompe, mais je dis non. Parce que j'ai vu les élections passer
dans notre pays plus de 3 élections eutikoleka na yokatate église catholique et keneko audité la cinq et keneko audité fichier électoral, ça s'est fait nulle part. C'est ça, mesdames et messieurs. Comment Martin Fayulu la Zosenga, la Senko est qu'elle n'est qu'audité, est qu'elle n'est qu'au réparé. Est-ce que la Senko a le pouvoir ou a le droit d'aller réparer les fichiers défectués? Non, mesdames et messieurs. Et comment m'a dit Martin, à son bango ouvertement, qu'il est prêt d'aller déposer la liste de ses membres de son parti politique, mais en même temps, il insiste à ce que la Saint-Côme est éditée. Mesdames et messieurs, soyons sérieux. Dans le but, hein, tous à la série. Comment est-ce que l'opposant congolais insiste à ce que l'église protestante, et c'est ce qui est église protestante ou quoi, et qu'on audite le fichier électoral, il y a CENI. Mais non. Donc c'est que l'église, église, il y a des réveils et qu'on ne peut qu'auditer le fichier électoral. C'est que l'église musulmane, il y a Congo et qu'on ne peut qu'auditer le fichier électoral. C'est que l'église, si y a Mikié, toi, Minène, et qui ne peut qu'auditer le fichier électoral. Quel désordre bateau, Baza Koubi Mabiso. Mesdames et messieurs, Baza Koubi sa tension, Malembe, Malembe. Bouébi, et ça, la Sony, Namboka Mounène, Boué, mais tout ça, la bateau, Baza Koubi Fonne, Mboukate. Je sens la sonne, ma casse, mesdames et messieurs. Troisième chose, Dodo Kamba, à l'obinini. Mesdames et messieurs, vous êtes à la Kamba à l'obi. Évêque général Dodo Kamba, à l'obi, boy, la CENCO et l'ECC ne cherchent pas à auditer le fichier électoral de la CENI. Mais elles ont un agenda caché que je dénonce. Elles veulent simplement bafouer ce qui a été déjà fait. Dodo Kamba le bien ouvertement. Que la Cinquona SSC, Basso Koloukako, audité fichier électoral. Mais Basso Louka simplement a bafoué, bémissa. Ko tchan moto, ko zigi sa mboka. Ke élection se le maté, ba ke na dialogue. Ba pose ba ke na dialogue, c'est ce que le pasteur Dodo Kamba sa ko insisté. Ke la Senko ba lingi mboka te. Ke SSC ba lingi. Non, il n'a pas dit ba lingi mboka te, mais alors dit qu'il cherche pas d'auditer le fichier électoral, mais il cherche à ce que Babé Bissa et l'oko ont déjà salimaki et l'oko n'est salimaki organisation. La CENI déjà est à kokende ko organiser l'élection. Mais la CENCO est à kolukae tchamo moulou. La CENCO est à kolukae peristamon ton amboko yo. La CENCO est à kolukae, mesdames et messieurs, mboka e inda. Selon Dodo Kamba. A continuer. Alors, dit que Bazana agenda caché. Quand on parle d'un agenda caché, ça veut dire Bazana mission Moko Yamabe, la Senko selon Dodo Kamba, que la Senko Bazana mission Moko Yamabe, pour n'a qu'on ben bisa organisation de l'élection de la Katia Mboura na biso Congo. Yamon a l'obi que n'a lieu où vont les choses. Mesdames et messieurs, non. Batomité Mamari Basali. Je me suis posé plein de questions. La première question, c'est de savoir est-ce que l'élection de Salima? Est-ce que l'élection de Salima?
Dès dans ce monde-là, à l'heure où vont les choses, on dirait dialogue mot que ça va s'annoncer. Mais mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire, s'il y a un dialogue, qui va diriger ce dialogue? La CENCO. Bon, comprenez bien, s'il y a le dialogue aujourd'hui, dialogue inter-congolais, dialogue inter-politicien congolais, mesdames et messieurs, qui va diriger ce dialogue-là? C'est la CENCO. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, il y a dialogue à Saint-Sylvestre. C'était la CENCO qui avait organisé Bilokoana. Est-ce que on a fait des choses, tout le monde a des résultats malheureux à l'élection? Non. Jusqu'à aujourd'hui, revendication à l'élection. Oyo la CENCO apporta qui comme médiateur, comme organisateur, il y a dialogue, il y a Saint-Sylvestre. C'est ça, très cher Congolais. Dans ça, on s'est posé la question est belle. Deuxième question, on s'est posé Boui. Nami Touni, est-ce qu'il y a des gens au Balinga Mbokoyo? Est-ce que ça n'a pas de Balinga Congo? On s'est posé la question pour Naïba. Mesdames et messieurs, selon moi, ils ont l'idée Oyo et Yelinga. Je propose, moi, Didi Lipumba, je propose à ce que l'élection est salima. Je propose à ce que le fichier électoral est encore audité si possible. Audité pas par la CENI, pas par la CENCO, pas par SSC, mais par, je peux dire, par des organisations qui sont habilitées, sauf l'OIF. Parce que l'OIF est dirigé par le Rwandais, est dirigé aujourd'hui par la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Le camp, les opposants demandent à ce que les fichiers à la comment et ça la revisité. Je demande à ce que la CENCO, SSC, l'église protestante, base à la Wana, va rappeler bateau va auditer qui comme ça va auditer ensemble. Bah on a commencé que les fichiers et ça propre de la qualité. Et ça, mesdames et messieurs. Deuxième chose, je demande à ce que les autorités congolaises vont éviter que supporter ma caprice à d'autres politiciens. Le Congo nous appartient tous. Le Congo appartient à tous les Congolais. Celui qui veut aller aux élections, il est libre d'y aller. Et celui qui ne veut pas aller aux élections, il est libre de ne pas d'y aller aux élections. C'est ça, mesdames et messieurs. Il ne faut jamais forcer la nature. Ce qui Fayoulou ne veut pas aller aux élections, Botika Fayoulou libre à coquiner l'élection, Botika forcer. Il n'est pas obligé d'aligner ses candidats. C'est comme moi, Didi Lipumba, je suis libre d'aller aux élections, moi. Je suis libre de postuler. C'est ça, mesdames et messieurs. Si je postule, oui. Si je ne postule pas, oui. Il faut éviter, très cher Congolais, il y a qu'on passe temps dans ma caprice et ma politicien. Parce que j'ai l'impression comme si le Congo recule à cause des politiciens. Oui, mesdames et messieurs. Congo zozon asima à cause de ma politicien. Na héroïo, bamboka misusu, baloma na étape yo. Baloma na étape ya kolola nzala. Baloma na étape ya komonde la politicien. Mais biso toyo c'est la non, moni fo la lobaki, moni bemba lobaki, moni teto c'est la karati bakoya. Mais mesdames et messieurs, non. Le Congo n'appartient pas seulement à Bemba.
Le Congo n'appartient pas seulement à Fayulu. Le Congo n'appartient pas seulement à Tshisekedi. Le Congo t'appartient, mesdames et messieurs. Le Congo m'appartient parce que je suis Congolais de père et de mère, et même de millième génération. C'est ça, mesdames et messieurs. Le Congo n'appartient pas seulement à Vital Kamerhe, et très cher Congolais. Congo, c'est à Missonion surtout. S'il faut aller aux élections, beaucoup n'ont pas d'élection, et tape aussi là. C'est ça, mesdames et messieurs. Parce que ceux qui n'ont pas d'élection, tu sais qu'elle va encore rester. Ceux qui m'ont retardé 5 ans encore, tu sais qu'elle va encore rester. Qui va profiter? C'est vous ou c'est le président Félix Tshisekedi? Or, la loi, la constitution est claire. Et le but que le président de la République a que 5 ans renouvelables une seule fois. Mais comment, mesdames et messieurs, Bosako Baki sera le président Félix Tshisekedi, il n'a que 5 ans à être renouvelé une seule fois, 10 ans, c'est tout à pratiquer accueillir le Sénat. Mesdames et messieurs, je demande à ce que l'élection est salement. C'est la constitution. Il faut respecter la constitution. Après quinquennat, après 5 ans, il faut une nouvelle élection. Bosa Lissaba élection. Pas d'excuses. Mesdames et messieurs, encore un autre sujet. Oto Tcheli, Kabundu Walesa, Alubinini. Le pasteur Kabundu Walesa, Alubiango ouvertement, à Bangite. Alubiboui, je vous exhorte de soutenir tous. Le premier citoyen du pays, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la réussite de son mandat en cours, il a besoin de nos prières, car il est beaucoup combattu. Nous parlons bien au pasteur Walesa. Alobi Lissou Souboui, mesdames et messieurs, nous avons technique et la biseau affiche ou en ce que ça possible. Kabundu Walesa Alobiboui, Dieu m'a montré que c'est le président Félix Tshisekedi qui a délivré ce pays entre les mains Yabazabulu. Kabundu Walesa Alobi, c'est le président Tshilombo Félix. Yemu t'a sauvé Mbokoyo. Yemu t'a délivré Mbokoyo. A délivrango na ma boko ya ba Rwandais. A délivrango na ma boko ya ba Ougandais. A délivrango na ma boko ya ba assassin. Selon le pasteur Kabundu Walesa. Mesdames et messieurs, je ne vais pas beaucoup développer sur ces sujets. Mais je vous laisse de réagir. Je vous laisse d'appeler ce numéro. Bobo la numéro Oyo. C'est ouvert. Bon, réagir. Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi votre idée? C'est quoi votre réaction par rapport Yamakambu Oyo, Kabundu Walesa, Alobi? Numéro affiché Wana. Plus 243-990-024-384. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Nous avons bien tout ça en direct. Avant, nous avons un téléphone, s'assurer que nous avons aussi un poste télévisaire. Numéro, nous avons affiché Wana. Plus donc 09-90-024-384. Appelez-nous parce que nous voulons se rassurer que réellement c'est que le monsieur, c'est que le pasteur Kabundu Walesa Zaroloba, tous les ministres s'assurer qu'ils sont réellement vrai. Très chers Congolais, nous sommes en direct
Voilà, il faut s'assurer que c'est le bon numéro. Oyo et ça affiché sur place. Voilà, tout s'assurer, mesdames et messieurs, sur que ça bon numéro ou pas. Alors, bah, c'est les bisous qui a bon numéro. Voilà, téléphone et ça bel et bien ouvert. Appelez-nous, nous sommes en direct. Nous voulons se rassurer que vous aussi, vous avez tenté d'appeler ces numéros. Et que ces numéros, Oyo et les Okuleka, moi-même, je peux y retenter, à retenter si réellement ces numéros-là et ça fonctionnel. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà. Alors, 09 90. 09 90. Voilà. 024. 384. Mesdames et messieurs, voilà, appelé à ce numéro-là, mais c'est comme si le numéro est tombé dans le téléphone Moussousou. Je demande à ce que le technicien Abisso batte l'ango rapidement, en fait, qu'il y ait un bateau au bazar ou bien Abisso. Voilà, je fais appel à un technicien. Mesdames et messieurs, le numéro en question n'est pas. Dans le téléphone Oyo, mais ils ont un téléphone Moussousou. Je fais appel à mon technicien Christian, s'il vous plaît, de venir changer les téléphones parce qu'il y a des appels. Oh, ils ont quota, mais ils ont quota dans le téléphone. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà. Parce que le numéro en question, Obozobenga, et ça a waté. Voilà, tu dois changer de numéro. Voilà, mesdames et messieurs. Bon, excusez-moi, c'est pour un changement Oyo. Alors, il y a un autre numéro Oyo Bakotcha. Voilà, il y a un autre numéro Oyo Bazarotia tout de suite. Voilà. Ça ne sera plus ce numéro-là. Et que ça a un nouveau numéro. Oyo Bazar vous changer. Parce que numéro Oyo Totia Kiwana. Et ça y a moté. Bon, excusez-moi, c'est pour un désagrément Oyo. Vous avez ébélé, mais le numéro en question n'est pas correct. Voilà, mesdames et messieurs, voilà. Je vais changer numéro, bah, tiens, numéro Omsousou. Voilà, mesdames et messieurs. Christian Anto, c'est là aussi, s'il vous plaît. Voilà, très chers Congolais,
C'était un petit souci à numéro. Voilà. Bon, excusez-moi, parce que le numéro en question, ce numéro-là est bel et bien. C'est le même numéro qu'on a ici. Donc, vous pouvez maintenant appeler à ce numéro-là. Toroyambabino, vous excusez pour notre désagrément. Wana. Alors, Kabounoualessa, Dieu m'a dit. Dieu m'a montré. Dieu m'a montré que c'est Félix Tshisekedi qui a délivré le Congo. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes favorables? Voilà. Allô, bonjour. Allô? Madame, bonjour. Ah, bonsoir, papa. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien, maman. Tout ça, Royo Kayo. C'est quoi votre réponse? Oui. Papa, parce que, à l'hôpital, tu sais que je vous ai livré à délivrer Mboka. À l'hôpital? À président Obaleka. Oui. Ok. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, n'appelle Nayo. Mesdames et messieurs, ça continue. Alors, cet article s'est bien publié dans des grands sites internet. Publié sur news.cd, actualité. À la une.cd, publié sur des sites internationaux. Oyo, ils ont relayé ma prédication à pasteur Kabounoualessa. Donc, le pasteur n'a pas tort. Je ne peux pas dire qu'il a aussi raison, mais au moins, laissez les gens réagir par rapport à ce qui a été écrit ou ce qui a été dit dans Katia Béye, que c'est le président Félix Tshisekedi qui a libéré, délivré ce pays. Allô, bonjour. Allô. Mesdames et messieurs, quand vous nous appelez, éloignez-vous, moi, mon qui est la télévision. Pour tout le cabinet, bien, mais si maman, ou autre, bien, habille, en tout cas, tout ce que les munitions, c'est agréable. Et ça, les bisous bien. Numéro affiché, Wana. Voilà. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, monsieur. Allô, bonjour. Mesdames et messieurs, ça continue. Tout cela, il y a quatre appels. Pour te clôturer l'émission Oyo, j'aimerais avoir vos réactions par rapport à ce qui a été dit. Allô, bonjour. Mesdames et messieurs, ça continue toujours. Il y a beaucoup d'appels, ils sont là en même temps. Et c'est la raison pour laquelle je crois que les gens... Voilà. Allô, bonjour, bonsoir. Allô. Bonjour, monsieur, bonjour. Oui, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Allô, Titoy. Oui, papa. Bien, allô, où est-ce que Wana? Ça tombe mal. Vous abonnez l'imbo que ça s'y fait. Ok. Ça bombe. Qui sont là qui s'est soudé tombé? Ok, papa, merci beaucoup. Merci l'appel, Nayo. Ça va. Ok. Mesdames et messieurs, ça continue. Réagissez de faire trois appels. Allô, bonjour. Tout ce qu'il y a trois appels, le titre est bel et bien vrai. Réagissez. Est-ce que Kabounoualessa a raison?
Yakolo Bake, c'est le président Félix Tshisekedi. Dieu l'a montré que Félix Tshisekedi a délivré Mokoy. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Rédidé du Pumba. Oui, bonjour, papa. Comment on a dit? Ouais, la Bingo, Natachi, c'est la Kishasa. Balobi, Balobi, Félix, a pris Simboka. Oui, nous avons un Congolais de Bolité. Les missionnaires, nous avons un salaire à Moté. Nous avons un affaire à Moté. Vous sentez que tu as fait ça de l'effet beaucoup. Mais pour les gens, ils ont récupéré. Si vous voulez, vous avez un peu de temps. Vous avez $3, ils ont un remata. C'est fini, ils ont simbaté. Ils ont un peu de temps. 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 Ok. Merci, monsieur, madame, monsieur, depuis quelque part au Béni Bissot. Alors, tout ce qu'il y a deux appels, mesdames et messieurs, appelez-nous à ce numéro-là qui est bel et bien affiché. Répondez-nous sur les dires, les propos publiés et le balobique Kabundu Alessa. Voilà. C'est parti. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonsoir. Mesdames et messieurs, quand vous nous appelez, bon c'est la mort Moussika. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonsoir papa. Tout ça, ça va bien, comment on a mis? Tout ça, ça va papa. C'est bien même Moussika la télévision là. Allô, bonsoir. Bonsoir. Monsieur, vous êtes en direct. Monsieur Okayo. Comment André? Bonjour, Nanga. Très, très bien, papa André. Ok. Est-ce que ma Kambouro ou Kabundu Alessa Lobi est vrai? Ma Kambundu Alessa Lobi est vrai. Kabundu Alessa a la mosca y a stand. Ok. C'était ça la question, papa. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Toxica, il y a deux appels. Dans le but, deux appels. Normalement, ça appelle moi comme Toxica, il y a deux appels. Allô, bonjour. Allô. Mesdames et messieurs, c'est Bobé Nibiso. Bon, c'est éloigné, moi, vous qui la télévision, place au Bosso Landabiso. Et puis, Bobé Nibiso. Bon, ça va toujours dans quatre sujets Oyo et au salabiso super bien. Allô? Allô, papa? Allô, bonjour? Bonjour, monsieur, comment allez-vous, s'il vous plaît? Ok, papa, la carte à Seremba, au Tosso, au Kayo. Papa, Olobi? Makambu, papa l'a laissé à l'obi, c'est la raison. Ok, merci beaucoup, papa. Ok, merci. Bandeko, c'est le bas, tu peux si bien beauté. Place au Bosali, la lingue binomingi, bandeko, c'est le bas. Alors, tout ce qu'on appelle Moko, Kabundu Alessa, Dieu m'a montré que c'est Félix Tshisekedi qui a délivré la RDC. Tout ce qu'on appelle Moko, beau agir, beau réagir, pardon, et vous savez, très bien,
Bappel les a tellement ébéné. Voilà. Appel à Souka, monsieur, madame, bonjour ou bonsoir. Allô? Monsieur, bonjour, bonsoir. Oui, oui, bonsoir, Didi. Oui. Bien, papa. Merci beaucoup, papa, m'appelle Nayo. Alors, on répond à la question de Totouni. Ok. C'est tout, mesdames et messieurs, pour les appels. Toujours conclure, les gens ont confirmé, ont aimé, ont applaudi ce que le pasteur Kabundula Walesa a lobby concernant le président Félix Tshisekedi. Kabundula Walesa a lobby au clair, Dieu m'a montré que c'est le président Félix Tshisekedi qui a dérivé la RDC. Très chers Congolais, mesdames et messieurs, les gens qui ont appelé en direct dans cette émission, la majorité va nous dire que le président Félix Tshisekedi est favorable. Mais il y a un monsieur qui a dit clairement que comment le pasteur Kabundu Walesa peut dire ainsi, à quoi que le babongo, tant que de la raison matin. Tant que Foufou est comme cher, tant que Bunanganga est dans ma boko, il y a un Rwanda, tant que guerre est civilité, tant que passe à la Katsamboka Congo, le monsieur a dit comment le président Félix Tshisekedi a délivré un pays qui a encore des problèmes. C'était un sujet, et Otochaki, très cher Congolais, mesdames et messieurs, bon, excusez-moi pour l'attente, pour la moindre désagrément et salement qui par rapport au changement de numéro, Zambalola abatte la bine belé. Tokoutani Bongo prochainement, dans l'émission Ekoya, bon, à la scotcher, branché dans le cadre de la télévision, la bine CFTV Congo France. Et je fais appel à la bande de communion, surtout au Balingi, qui va produire la bango, va publiciter la bango, va annoncer la bango. Osa na publicité na yo, osa na va faire na yo, olingi o faire passer on la télévision Congo France, contactez-nous. Na ba numéro osa affiché wana, na numéro moko ya 0033 osa wana, contactez biso. Et osa la biso bien pona to fou bino ba opportunité oyo et que osa la bien pona entreprise na bino. Bino na te bosu na kat sa YouTube Congo France. Assurez-vous que vous êtes bel et bien abonné sur notre YouTube. Aussi, vous avez liké nos vidéos et partagez-les. Merci beaucoup. Zambé, Asanabino. Au revoir.